Habib parlait de la fureur de Bernabéu lorsqu'on commente un match là-bas. François, Siné, est-ce que vous avez senti, lorsque Rossello a égalisé à la 89e, que c'était possible, que le stade y croyait et qu'une vague terrible allait emporter le Bayern Munich? Le Bayern, quand même. Ouais, je pense que non seulement ils y croyaient tous, mais ils étaient même persuadés qu'ils allaient le marquer le deuxième, d'autant qu'il y avait pas mal de temps additionnel. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est presque une vocation pour ce Real que de toujours faire la révolution. On a l'impression que n'importe quel joueur qui remet ce maillot est changé, transcendé par une espèce de force supérieure qui fait que à tout moment, croire en la victoire, c'est dans l'ADN de ce club. Et peu importe ce qui va se passer tout au cours d'un match, d'un championnat, on sent que cette équipe, c'est ce public même qui se dit non, la victoire c'est impossible, c'est pas pour nous. Et pourtant le Real a fait un bon match, a cru tenir le résultat avec notamment l'ouverture du score d'Alfonso Davies, un but absolument extraordinaire, inscrit par le Canadien avec un délicieux ballon que va lui adresser Kane. Comme à l'époque de Tottenham pour Son. Ouais, exactement. Et Davies va faire crochet intérieur et enrouler dans le petit filet avec une précision diabolique. Oui, le gaucher. Qui est faible, ouais. Cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont, les gauchers. Guardiola aussi avait marqué un but dingue du pied faible, du pied droit. Ouais, elle est incroyable, sa frappe. Ce qui est incroyable, c'est de voir Carvajal autant à l'intérieur, parce que c'est lui qui est censé venir faire la couverture entre Rudiger et Nacho. Et en fait, il vient à l'intérieur, ce Moussiala, il ne ferme pas à l'intérieur. Là, vous avez été très très bon contre City, sur ses compensations à l'intérieur et ses prises à deux. Et après, derrière, la frappe, elle est exceptionnelle, hein, d'Alphonse. Quelle trajectoire. Son premier but en Ligue des Champions. Oui. Pas mal. Et quel but. Pas mal. Oui, mais je pense que malgré tout, ouais, il va garder un peu d'amertume ce soir. Et d'une manière générale, le Bayern peut être amer parce qu'ils ont eu l'occasion de mener 2-0. Ils ont plusieurs occasions. Kane, notamment. Il y a un contre également qui n'est pas très bien joué de la part des Munichois, qui aurait pu se mettre à l'abri. Hein. Oui, les Munichois auraient pu se mettre à l'abri, mais cette action, elle est bien jouée. Je pensais qu'il allait la croiser plutôt, parce que Lounin ferme bien le côté sur un bon enchaînement de Moussiala. Le Bayern a eu des opportunités, mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Hein. Là, c'est la deuxième sur ce contre, avec négocié. Au bout du contre, Laimer qui cette passe, qui elle cherche est mauvaise, Pavlovic, celle-là qui va arriver. Mais déjà, la première passe de Thomas elle est Müller, dans le dos. Tu perds du temps, en fait. Pavlovic était cramé. Ouais, ils ont raté le coche, un peu le Bayern, quand même. Ils n'étaient pas loin du compte, hein. Sidney et François. Oui, surtout avec cette action en contre que l'on vient de revoir. Ils ont eu les balles de 2-0, Sidney. Il semblait maîtriser ce match. Il y a eu un moment dans le match où on a perçu un peu de découragement chez le Real, ce qui n'est pas ordinaire. Mais bon, voilà, à la fin, le Bayern a cédé. Oui, ils ont cédé, mais je pensais qu'ils pouvaient faire mieux. On les a vus déjà d'ouvrir le score, c'était déjà bien payé, j'ai envie de dire. Et derrière, ils étaient plutôt moins en maîtrise. Et comme ils l'ont fait en première mi-temps, je trouvais que techniquement, ils ont raté beaucoup de derniers gestes, d'avant-derniers gestes, qui n'auront pas permis d'aller au bout de leur réaction. Après, je trouve qu'il s'est condamné un petit peu. La colère de Thomas Tuchel, elle est incroyable. Ça, j'imagine que c'est sur le but refusé à la fin. Oui, c'est bien. Je trouve qu'il s'est condamné, moi, à la fin. Avec ses changements. Il a fait rentrer plein de joueurs défensifs. Comme si c'était même, fini. Même à un partout, s'il va en prolongue, avec les changements qu'il a fait, en fait, il n'avait plus de danger offensif. Et si tu n'as plus la possibilité de les prendre en compte au Real Madrid, eh ben, en fait, tu acceptes le fait que ce soit une attaque-défense et à un moment donné, ça va finir par rompre. Fernand Mendy, international français, est en direct avec Philippe Carrillo. Allez-y, Philippe. Il est là, il arrive, Fernand. Mais quel truc de fou, encore une fois. Ouais, encore une fois, c'est vrai. Après, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a tout donné. On a essayé de mettre un but directement et on a remarqué derrière. Donc, on est très content, on est satisfait de la victoire. Ça fait tellement de fois que ça se produit, qu'il y a quelque chose de paranormal. C'est quoi le secret, l'explication? Mais d'où ça vient? Non, honnêtement, c'est le mental. C'est dans la tête, je trouve qu'on est très soudés. Et après, on essaie de jouer ensemble, de se donner ensemble à fond. Et au final, ça paye. Après, j'entends beaucoup que c'est de la chance. Mais autant de fois, je pense pas que ça aura autant de chance que ça. Est-ce que
c'est un scénario encore plus beau. Est-ce que c'est la plus belle de toutes vos folies? Bah honnêtement, non, celle contre City, je pense que c'est pire. Après, celle-là aussi, elle est bonne aussi, elle est bonne à prendre aussi. Et ce qui va être bien aussi, ce serait éventuellement la 15e, comme on l'appelle ici. Oui, la 15e. Après, on va en finale, on va tout faire pour gagner le match et voilà. Vous vous rendez compte des moments que vous vivez là, dans ce club? C'est quoi ce club? Non, honnêtement, je m'en rends pas compte sur moi-même. Je pense que demain, on va s'en rendre compte en parlant. Mais après, c'est ça, c'est la force du club. Les supporters, ils ont été là, ils nous ont accompagnés tout le match. Même quand on perdait, ils nous poussaient encore. Et c'est ça qui nous a fait revenir au score et gagner le match. Bravo et surtout, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Le sourire de Fernand Mendy qui a une carte à jouer pour l'Euro avec l'équipe de France, avec les blessures de Lucas Hernandez. Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, était ce soir à Bernabeu. Voyons les buts de Rossellou. Le deuxième, pour commencer. On va faire dans le désordre, parce que celui qui est décisif, c'est celui-ci, marqué où? À la quoi? À la 93e minute, c'est ça? Non, c'est 91. 91e. Incroyable. Ce décalage. Rudiger qui centre. Il met un bon centre. Hein. Un bon centre. Un vrai numéro 9. Rossellou. Bien tendu. Et il y a un vrai geste de buteur. Non, mais c'est surtout que l'action, c'est les deux centraux. Hein. Nacho qui garde bien le ballon dans la surface, qui prend le temps, qui a la lucidité de trouver cette passe. Et le centre mauvais pied de Rudiger, il est magnifique. Tendu. Hein. Ouais. Rien à dire. But qui a été refusé dans un premier temps, avant d'être accordé par la VAR, car il n'y avait pas de hors-jeu. Incroyable. La joie différée des joueurs du Real Madrid qui donc remporte ce match avec ce but. On va foncer juste voir Philippe Carayon après ce dernier ralenti. Ah ben non, on ira voir tout à l'heure Philippe Carayon. Alphonso Davies va être avec lui dans un instant. Ça, c'est le but numéro 2. C'est celui de la victoire marqué avec le genou par Rossellou. C'est ce qu'on demande à un buteur. C'est ce qu'on aurait aimé que Gonzalo Ramos fasse hier. Avec la rotule qui puisse mettre le ballon, je pense notamment à l'occasion quand Zaïre Emery la met sur le poteau en début de seconde période. L'égalisation maintenant de Rossellou, 88e, on va la voir également. On n'y croyait plus trop non plus à ce moment-là. Et puis il va y avoir cette erreur de Neuer qui a fait un énorme match et qui va relâcher ce ballon. Comme vous le signalez, Habib, Rossellou est... C'est un prédateur. Mais c'est quand même Vinicius aussi qui prend cette initiative. Il y a Fernand Mendy qui fait une fausse piste en dédoublant. Je pense que ça permet à... Double erreur de Neuer. Vinicius. Mauvaise relance d'abord. Oui, mauvaise relance dans un premier temps. Et puis après, effectivement, cette erreur de main. Mais après, le rebond, il n'est pas évident aussi. Il met une frappe pas facile, effectivement. Certes, mais bon. Mais bon, après tout ce qu'il a fait, tous les arrêts qu'il a fait avant, c'est vrai qu'on se dit que celle-là, il pouvait Buffon faire mieux. L'a fait avec le PSG aussi, les grands gardiens peuvent faire des erreurs. Ouais. Alors, il faut qu'on vous raconte quand même d'où vient ce Rossellou, qui a une particularité, c'est qu'il est né en Allemagne, quand même. Il est né à Stuttgart, il a grandi, petit enfant, en Allemagne, avant de retourner dans le pays de ses parents. Et vous le disiez, Habib, il a été recruté cet été par le Real à 32, combien 33 ans, il avait l'été dernier. Il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière où il a marqué 16 buts en Liga. Mais il était déjà au Real Madrid il y a plus de 10 ans. Ouais. Il est parti en 2012, il avait joué deux matchs avec le Real Madrid. Après, il est passé en Allemagne, à Hoffenheim notamment, en Angleterre, à Stoke City, à Newcastle. Et depuis cet été, il joue vraiment au Real Madrid, un rôle de remplaçant, mais il rentre quasiment à toutes les rencontres. Et là, c'est déjà son 4e et 5e but cette saison en Ligue des Champions, dans cette saison où le Real a gagné le championnat, joue la finale de la Ligue des Champions. Mmh. Il a quand même eu un rôle à jouer derrière Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres. Il y a 34 ans, la plus grosse émotion de sa carrière. C'est un sang grade aujourd'hui qui a fait un joueur d'appoint. Mais... Non, mais je veux dire, par rapport aux autres. Il a des références quand même dans le championnat. Des références, enfin, ça reste un joueur de complément dans l'effectif. Ils ont talent de mettre des joueurs dans le vestiaire du Real qui ne posent pas de problème et qui savent exactement quelle est leur mission. Parce qu'il faut le dire, Rossellou, il sait très bien qu'il va jouer 5-6 matchs de championnat titulaire. Ensuite, il va jouer sûrement 34 matchs où il va rentrer. Mm-hmm. Et en Ligue des Champions, il aura des bouts de match. Mais ces joueurs-là savent exactement ce qu'ils ont à faire. Je voudrais qu'on voit les arrêts de Neuer pour rappeler que ce n'est pas non plus un hold-up. Le Real a quand même eu plein d'occasions, s'est créé les meilleures occasions dans ce match. Il aurait pu se mettre à l'abri plus tôt sans un super Neuer avant qu'il ne craque. Oui, il a été vraiment fantastique. Et contrairement à
pas mal de scénarios qu'on a vu dans le passé avec le Real qui a été dominé et qui gagne un peu en courbant les chines et en marquant une occasion rare. Je trouve que ce soir, au point, ils étaient largement devant au niveau des actions franches, au niveau de même l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. Je trouve qu'ils étaient vraiment au-dessus. Et Neuer, heureusement qu'il avait été là, sinon il aurait pu avoir déjà au moins 2-0 à la mi-temps. Et Vinicius, on le retrouve très souvent sur les actions, encore une fois, pas sur ce coup franc de Rodrigo, mais il a encore fait ce soir un match énorme hein, dans la lignée de ce qu'il produit à l'image de cette action là où. Je pense qu'il frôle. Où Kimmich a passé un moment difficile et dans la lignée de son match face à City en 8e aussi contre Leipzig. Ce qui est fort, c'est qu'il est seul et qu'il arrive toujours à se sortir des situations, à se créer des occasions, à faire aussi les bons choix dans les 30 derniers mètres. Au moment, on manque un petit peu de lucidité avec toutes les courses qu'il fait. Mais lui, franchement, il est passé à un niveau exceptionnel. Carlo Ancelotti va vivre une finale de plus sur le banc. Ça fait combien, 5e ? Sixième. Sixième. Sixième finale. Son bilan, 4 victoires, une défaite. Mais surtout, 21 ans après sa première finale en 2003 avec l'AC Milan. Il dure. Il se renouvelle. Et ce sera une finale inédite, Real Madrid contre le Borussia Dortmund. C'est une confrontation qui a souvent existé en revanche en Ligue des Champions, en poule, en quart de finale. Il y a un grand souvenir d'ailleurs pour les joueurs de Dortmund qui avaient explosé le Real il y a quelques années. Les 4 buts de Lewandowski, oui, non ? Demi-finale 2013 avec notamment à Dortmund une victoire 4-1 avec un quadruplé de Robert Lewandowski qui avait été exceptionnel ce soir-là. Qui leur avait permis de décrocher le billet pour Wembley. La dernière finale, oui. Pour la finale en 2013 contre le Bayern. Outsider, le Borussia, fatalement, dans une affiche comme celle-ci. Oui, forcément. Lorsque vous êtes face au Real en finale, on sait ce que ça vaut. On se rappelle du Liverpool, le Real Madrid, on se rappelle de toutes ces affiches. À chaque fois, même si vous êtes supérieur dans le jeu, eux, ils ont l'expérience et le poids de l'histoire dont on parle. Je pense qu'ils sont presque destinés à chaque fois à gagner. Là, ils ont le maillot, on y va pour la 15e, mais c'est presque... Mais il y aura un adversaire en face, et Dortmund a montré qu'ils ont mérité leur place en finale avec leurs 2 victoires face au Paris Saint-Germain. Et on voit Bellingham, qui va retrouver Dortmund en finale, lui qui est parti cet été de Dortmund au Real. Exactement. Gauthier est très fort, il a déjà la win probabilité pour la finale. Je vais vous surprendre ? Ouais, bon, non. Pas du tout. C'est le Real, 62%. 62% la cote. Ouais, logique. Mais bon, une finale, c'est souvent 50-50 au coup d'envoi. On verra. Quand c'est le Real. Sauf contre le Real, peut-être. Le Real de Madrid renverse le Bayern de Munich. Le Real de Madrid est immortel. Le Real de Madrid refuse de mourir sur leur toit. Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid. On va parler du match entre le Real et le Bayern de Munich. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Allons. Les gars, le Real de Madrid ne meurt jamais. La Maison Blanche ne meurt jamais. La Casablanca refuse de mourir. Le Real de Madrid, les amis, ce club est vraiment pas. Ils sont spéciaux, les amis, ce Real-là. Et je l'avais dit, pour battre le Real, tu dois être à 300%. Tu dois être à 300%. En revanche, le Real, pour te battre, a seulement besoin de jouer peut-être 20 minutes pour te battre. Parfois même 5 minutes pour ramasser un match. Ce Real-là, ils sont très très forts. Ce Real-là, ils ont un mental d'acier. Ce Real-là, ils ont un état d'esprit irréprochable. Ce Real-là, ils ont un très grand coach. Lorsqu'on parle de grand coach, pardon, il faut parler de Carlo Ancelotti. Parler de Carlo Ancelotti. Tu payes Karim Benzema, tu payes Courtois, tu payes Militao un peu plus tôt, tu payes Alaba. Et malgré ça, tu arrives toujours à construire une équipe compétitive. Tu arrives toujours à remporter des trophées. Le Real de Madrid, actuellement, c'est une ligue à remporter. Cette saison, il peut faire le doublé. Championnat, Ligue des Champions, c'est bien parti puisque ils vont jouer la finale contre le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund n'est pas un adversaire facile. Ils ne sont pas faciles.
Je suis juste en train de dire que ce Borussia-là, pour moi, ils sont à la portée du Real de Madrid. Ces Real-là, lorsqu'on parle de grand coach, Carlo Ancelotti, c'est un grand coach. Tu enlèves Valverde, tu mets Brahim Diaz. Donc, tu fais entrer Brahim Diaz et Rousselou. Brahim Diaz, les amis, c'est un mec qui n'est titulé nulle part dans un grand club. Nulle part. Son niveau, c'est Séville, Valence, etc. Il n'est pas titulé au Bayern de Munich. Il n'est pas titulé au PSG. Il n'est pas titulé à Manchester City. Il n'est pas titulé même à Liverpool. Tu n'en parles même pas d'Arsenal. Rousselou n'est pas titulé au Bayern de Munich. Rousselou n'est pas titulé au PSG. Rousselou n'est pas titulé à Manchester City. Mais lorsque ces gars-là enfilent le maillot du Real Madrid, ils se transcendent. Ils se transcendent. On ne sait pas ce que le Real Madrid mange. On n'en sait vraiment pas. Ce Real-là, c'est très très fort. Le Real Madrid, lorsque j'ai vu Neuer commettre cette boute, lorsque le Real est revenu à un but partout, je me suis dit, c'est game over pour le Bayern de Munich. Je me suis dit, c'est game over, les amis. Je ne voyais pas le Bayern de Munich revenir, puisque mentalement, le Bayern de Munich était déjà down. Il était vraiment touché mentalement. Il était fragilisé mentalement. Je ne sais pas comment le Bayern devait revenir. Pour moi, c'était impossible. C'était quasiment impossible. Et surtout que Thomas Tuchel avait fait des changements un peu bizarres. Comment tu peux arriver à Harry Kane? Certes, en ce moment-là, le Bayern de Munich menait 1-0, mais ce n'est pas le championnat. Ce n'est pas le championnat. Tu dois prévoir qu'il peut avoir les prolongations. Tu sors Harry Kane, tu mets les Choupo-Moting. Pour moi, tu devais prévoir les prolongations. Peut-être c'est ça qui a poussé le Real Madrid à monter très haut, à presser très haut. Donc, les gars, ce Real-là, c'est vraiment ça. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance parce que beaucoup diront que le Real Madrid, ils ont de la chance. Non, 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 il n'y a pas de la chance. Lorsque tu fais la remontada contre Manchester City, lorsque tu fais la remontada contre le PSG, contre Chelsea, contre Liverpool, et là, tu viens de le faire contre le Bayern de Munich, pour moi, il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de chance. C'est juste un savoir-faire. C'est juste un savoir-faire, les amis. Donc, moi, je pense que ce Bayern-là a été dépassé par les événements. Ce Bayern-là a été dépassé par l'intensité du Real de Madrid. Chapeau au Real de Madrid. Parce qu'il y a très peu d'équipes capables de le faire. Très, très peu d'équipes. Voire même, il n'y en a pas. Donc, ce Real-là, ils sont en finale. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport au Real de Madrid. Est-ce que tu vois le Real de Madrid invincible? Du matou, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.